Les choses dans la vie, tu dois les faire parce que toi, tu crois que c'est ce que tu dois faire. Il faut pas, personnellement, je pense pas, ça sert à rien d'attendre. C'est la même chose quand tu t'engages, par exemple, même pour l'écologie. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui te dit, ouais, c'est important. Et que ça influence des gens ou pas, finalement, tu peux pas savoir. Mais je pense que ce qui est important, c'est de pas rester silencieux. S'il y a quelque chose en toi qui te dit et que tu as la possibilité d'en parler et tu te sens, comment dire, crédible pour en parler, c'est important de l'ouvrir et de ne pas faire parce que toi, tu as maintenant. C'est important de ne pas oublier d'où tu viens et de passer le flambeau et dire, OK, les gars, c'est cool, c'est possible d'y arriver et de motiver finalement. Finalement, le plus important, c'est de motiver les gens qui viennent là et dire, OK, comment je vais le faire? Est-ce que qui c'est qui l'a fait? Il y a plein de gens qui l'ont fait, tu peux le faire, vas-y. C'est aussi un truc qu'il faut donner à la Suisse. Moi, j'aurais pas pu étudier comme j'ai étudié comme j'ai étudié en Suisse, j'aurais pas pu étudier chez moi. Et donc, je pense que c'est vraiment important d'utiliser toutes ces possibilités et aussi de comprendre que, ouais, il y a un système. Et quand je viens d'ailleurs, je vais devoir m'adapter un petit peu à ce système pour pouvoir aller dans le système et après en faire ce que je veux moi. Mais si tu restes en dehors du truc, tu vois, c'est comme un gars qui va être campé devant le château et puis tout le monde est dans le château. Et tu vas crier tout ce que tu veux, on s'en bat les couilles ce que tu dis, tu vois. Et je pense que c'est vraiment important de garder cet état d'esprit que, OK, il y a des challenges, je vais devoir, comment dire, je vais devoir me plier à certaines règles. Mais finalement, me pliant en ces règles, je vais apprendre quelque chose, et de ça, je vais pouvoir faire ce que vraiment je veux, moi.